Et puis, pour qu'il y ait un bon terreau, il faut aussi qu'il y ait des permanents, des salariés permanents particulièrement compétents. Et j'aimerais beaucoup que tous les salariés, je ne sais pas si j'en vois beaucoup, ils sont peut-être de l'autre côté de la porte. Voilà, je vais vous demander de vous présenter la belle équipe. Donc, comme ils sont là, ils vont se présenter. Donc, Caroline, je suis référente famille au centre de Vitamont. Vous se prenez pour la majorité d'entre vous. Alison, animatrice et à l'accueil également. Chaynez et à l'accueil aussi, vous avez dû me voir aussi. Pas autant que Caro, mais presque. Bonjour, Alexia Piquette et je suis conseillère emploi au centre Gutenberg. Bonjour, moi c'est Jennifer Fernandez, je suis la nouvelle animatrice référente de l'espace de vie sociale qui est ouvert à la Bessière. Bonjour, moi c'est Raphaël et je suis animateur multimédia au centre. Tu peux tourner la caméra, s'il te plaît. Oui, attends. Non, attends, bouge pas. Bonjour, je suis Alain, j'ai un entretien et plein de choses à côté. Merci. Donc c'est un vrai plaisir pour moi de vous présenter cette équipe et je pèse mes mots, vous êtes merveilleux dans vos qualités professionnelles, vos qualités d'écoute, vos qualités empathiques, vos qualités de résolution de problèmes. Je suis très fière d'être à la fois, j'ai beaucoup de chance, à la fois d'être entourée d'un bureau exceptionnel et d'une équipe de professionnels de très haut niveau qui peuvent être fatigués à certains moments mais qui arrivent toujours à dépasser et continuer le chemin. Et vraiment pour tous ceux que peut-être certains d'entre vous les connaissent, je pense que vous savez de quoi je parle. Merci à vous. Voilà Sylvie. Je disais, Sylvie, mais tu n'es pas obligée de me croire que je vous trouvais tous merveilleux. Pour nous, les bénévoles, et je ne suis pas la seule à le penser, vraiment, cette équipe-là, qu'est-ce qu'elle nous aide, hein, et on aime travailler avec vous tous, hein, le bureau, quand on vous rencontre, mais là, vous, moi, c'est formidable pour moi. Hein, et je crois que sans vous, j'aurais moins la pêche pour faire ça. Merci.